Attends, les amis, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, j'ai totalement nickel aujourd'hui, les amis. On se retrouve sur Brawl Star pour tout simplement, les amis, tester un petit peu tout ce qui se passe donc en termes d'infos. En termes d'infos, ça charge de nouveautés. Il y a un brawler, d'accord. Et donc, du coup, les amis, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était que je voulais vous présenter surtout. Enfin, voilà, on va tout simplement. Genre jouer ensemble, mais surtout je voulais vous parler d'un skin gratuit, enfin qui existe depuis très longtemps et que peu de personnes savent. Peu de personnes pour ceux qui débutent le jeu. Si vous débutez le jeu, les amis, je vais tout simplement vous passer une petite vidéo de quand, j'ai débloqué le skin. Les amis, donc du coup, alors du coup, pour débloquer, enfin le skin, vous l'avez vu, donc du coup, on va tout simplement le tester. Mais avant, nous avons des choses gratuites, donc notamment cette boîte de rôle. Imagine un skin, ce serait ouf, hein. Ouh. Point de pouvoir pour Shelly et pour Daryl, ok. On a des quêtes avec qui? Gagner pour partir avec Block. Donc la famille, on va devoir raser des gemmes. Bon, on va faire ça. Donc 15 ennemis avec Ball. Ok. Et ben, on va récupérer tout simplement les petits jetons d'événements. Toujours plaisir, donc à fond. Donc dans 15 heures, on peut tout simplement jouer à Robot à Gogo. Donc ça, c'est très très cool. Marathon Star, obtenez le pouvoir star d'un brawler participé. Ok. Alors. Among Us sur un solo. Oh. J'ai envie de tester ça. Ça va être drôle. Ça va être drôle, les amis. Ah, mais attends, c'est quoi le but là? C'est quoi le but? J'ai pas compris c'est quoi le but. Oula. Ah. Ok, Romain. On se fait oublier. Alors, la zone. Ok, j'ai posé une tourelle, ça va me protéger un petit peu. Allez. T'as vu une chatte dessus? Oh, non! Non, j'ai trop la haine. Oh non. Ok, donc on a 44 pièces, c'est pas mal en vrai. On y est presque. Donc du coup, comme vous le voyez, je suis niveau 32 et j'ai bientôt 100 pièces. Lol. Oh non. Bon, alors du coup, je voulais un petit peu donc essayer le petit skin Bar Tabac. Donc du coup, vous avez donc alors quand vous vous connectez à Supercell, vous pouvez obtenir ce skin, donc ce style de skin plus ce style là qui est tout bonnement incroyable. Donc du coup, on va directement le mettre, on va le tester, donc du coup, pas en Among Us, parce que je comprends pas le jeu, mais on va directement aller en Razzia des Gemmes. C'est comme ça qu'on fait des clés, c'est simplement quelques trophées, mais qui sont transformés directement en points star pour simplement acheter des nouveaux skins dans la boutique. Alors là, on bombarde. Très très lourd. Hein. Ok. Très très low les deux. Et c'est sûr que je sais pas, c'est sûr que si je me prends les deux, ça va pas tellement le faire. Ils ont 4 gemmes. Mais ce perso abusé, vraiment.
Honnêtement, j'ai jamais vu un perso autant abusé. Hein. Ils sont laminés, non? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il va vraiment se faire laminer. Hein. Ah oui. Oh, attends. Non, attends 2 secondes. Oh, quoi d'où? Ok, au moins j'ai mon ulti. Et on mène, donc en vrai, on est plutôt bien. Par contre... Ok, mais alors là, mec, l'ulti... Pétage de câble. Pétage de câble extrême. Oh, le bordel. Oh non, j'ai pas eu. Je l'ai pas eu, bon. Faut que je calme mon ulti. Parce qu'en soi, j'ai... Oh le bordel, oh le bordel. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi ce mode de jeu. Nous du coup on n'est pas joueur star. Mais... De toute façon là tu sens là que... En fait genre... En fait déjà rien que quand t'obtiens 1000 trophées tu sens déjà que les mecs... ils sont plus là pour déconner maintenant. Oh maintenant... 474. Tu vois, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, moi j'aime bien. On va aller directement en survivant solo et on va changer de brawler. Du coup, c'était un petit peu pour tester Bartaba parce qu'il est assez abusé. On va pas se le cacher, mais on va prendre directement Darius. C'est un de mes persos favoris. Bon, même sur son rang de pouvoir, il est très très élevé. J'ai déjà eu un kill. Ok. Allez. Kill le. Allez. Très low. Mais non, il était trop long. Il était trop long. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il s'est passé quoi là? Je l'ai pourchassé à la mort. J'ai eu un trophée, nice. 490 sur 500. Ah oui, c'est, mais tu ressens rien, tu ressens rien. Bon, attends, on va changer le brawler parce qu'il. Je vais montrer un petit peu tous les brawlers que j'ai débloqués. Ce perso aussi, j'aime bien. Au début, je jouais pas beaucoup. Même genre, le perso de base est hyper abusé. Bon. Pff, il y a déjà un mort. Ah oui, mais il est lourd le mec. Yellow le type. Sauf qu'il bah, du coup il va mourir. Allez, mais tu l'as. Mais tu l'as. Voilà. C'est un truc de ouf. Allez. Allez, ok, nice. On a tous nos points de vie. Il reste 5 brawlers là, tu sens ça joue sa vie, genre c'est n'importe quoi, vraiment, maintenant. Oh non. Bartaba, je déteste, je hais ce perso. Enfin, je l'aime, tu vois. J'aime pas jouer, enfin j'aime pas quand les adversaires le jouent, tu vois. Allez. Voilà. Oh, je suis en survivant, là. Ok, le mec est là. Hein. Ok. Allez, tire-le. Mais voilà, attends. Alors, même ami trophée, les gens, ils sont. Bah, ils sont quand même coriaces. Hein, tu vois que les kills, quand même. Ça commence maintenant dès le début de game, tu vois. Donc. Débloquons. Ok, nice. Alors. Bah, voilà. Et ben voilà, donc c'était une vidéo très courte sur Brawl Stars, mais vraiment, je kiffe ce jeu, c'est un truc de ouf. J'adore ce jeu. Comme vous le voyez, ah oui, c'est à 1200 trophées maintenant. C'est à 1200 trophées, donc du coup, c'est une prochaine boîte Brawl. Donc à la fin, je voulais faire une vidéo pour débloquer et pour atteindre les 1000 trophées, sauf que je les ai débloqués avec un ami. Non, même pas en fait, tout seul. Je les ai débloqués tout seul, donc 1000 trophées, donc j'en suis très bien. Donc, vous voyez quand même que le jeu.
les débuts sont assez compliqués. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à vous. On va continuer, du coup, je vais faire d'autres vidéos pour Overwatch, c'est bien entendu. Jusqu'à là, en tout cas, on va encore jouer au jeu. Même si là, maintenant, je ne sais plus trop le jeu, mais je joue encore beaucoup. Mais je ne joue pas 8 heures par jour sur Brawl Stars, hein, bien entendu. Hein. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un maximum de likes et d'abonnements. Sur ce, les gens, c'est Exil. Et bien, bye.